Bonjour Jackie. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette troisième manche de la saison 2021 de la NASCAR. Le Jayco 500. Oui, le Jayco 500 sur le circuit qui est répété. Il y a quelque chose entre circuit là, Michel. Vous pas du tout de quoi vous voulez parler. Le circuit donc qui est réputé le plus difficile de la saison, ouais. À tel point que l'on s'attend à voir assez peu de voitures arriver au bout de cette... Ah, parce que vous avez l'impression que les autres courses de la saison, jusqu'à présent, il y a beaucoup de voitures qui ont terminé. Non, vous avez raison, Jackie, mais là, c'est prévu sur celui-là. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un circuit sur lequel il va être très difficile de dépasser, de faire la différence. Et donc, un gros avantage pour ceux qui s'élanceront dans les premières lignes, ce qui veut dire que ça peut rebattre les cartes au championnat, même s'il reste encore plusieurs courses pour vraiment chambouler la tête de championnat. Non, le championnat ne se joue pas sur une seule course, évidemment. Jackie, regardez, Reg qui a abandonné à la première course. Qui a été course. Sorti par Turbo, ouais. Oui, regardez, il s'est refait la course suivante et il est deuxième ex aequo du championnat. Ouais, sauf que c'est le tenant du titre, il est deuxième ex aequo très loin derrière Hawk qui a remporté les deux premières courses de la saison. Si Hawk réussissait le coup du chapeau, ce serait exceptionnel et même historique dans les annales de la NASCAR. Ça ne s'est jamais vu de remporter les trois premières courses du championnat comme ça devant le champion. Eh bien, nous allons voir cela tout de suite, drapeau vert sur le départ. Qui avait été victé dès le premier virage. Pour passer devant. Ouais, mais Simpson ne peut pas faire une remontée. Oh, mais ça accroche derrière avec un gros les premiers drapeaux jaunes. On profite de ce tour derrière la voiture de sécurité pour montrer les incidents. Et le restart qui a déjà un accrochage entre Glam et Simpson. Mais Rage a réussi à se faufiler. Il ne va pas prendre la vache à nouveau. Et c'est reparti avec Rage devant Glam, Team Power, Special et Spirit, Simpson. Et Hawk sont malheureusement loin derrière après. Et regardez Hawk qui commence à remonter. Il vient de doubler magnifiquement Simpson. On voit et que le Glam a dû trop place. Donner pour essayer de dépasser ou de rester au contact avec... Il n'y a plus que 6 voitures en course avec Rage devant Team Power, Special Spirit, Hawk et Simpson. Qui a déposé Power et qui part en chasse de Rage. La grande question maintenant, c'est de savoir si Hawk va réussir à revenir sur le podium et marquer de gros points pour oui, la première course. Oui, évidemment, la perspective du championnat est plus importante que tout. Ah, ça va rassembler un peu le monde à l'arrière alors que Rage attaque son dernier tour avec une Power large avance. Power qui est parti en tête à queue. Power qui était super bien placé sur le podium laisse encore une chance de remporter ses gros mais points. Il arrive à repartir, il va quand même terminer en marquant tout de même ses premiers points de la saison. Ah, j'ai même l'impression qu'il va réussir à contenir Hawk qui n'attaque pas et Simpson en termine tranquillement. Le tour d'honneur du vainqueur. Première victoire, magnifique victoire. Oh, vous avez vu le donut là? Oui, ça c'est le geste du vainqueur. Magnifique victoire donc pour Rage qui remonte à la deuxième place du classement. Oh, qui est toujours en tête. La mauvaise opération, c'est pour Max Power qui était deuxième ex aequo, qui enchaîne un deuxième abandon de course. Podium pour Special qui reste troisième. Il fait la bonne opération en montant à la quatrième place. Simpson grappille un point et passe de la sixième à la cinquième place. Team Power marque enfin ses premiers points, il n'est plus le dernier. Quant aux autres, eh bien, zéro point sur cette course. Et zéro point tout court pour Condor qui vient d'enchaîner son troisième abandon. Alors Michel, il se passe quoi la semaine prochaine? Passe une course un peu spécial. Ça veut dire quoi ça? Je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. Oh bah, samedi alors! À samedi tout le monde!